Ils viennent de me piquer le bracelet là. Ouais. Il y avait le bracelet à ça, mais il est parti. Bon bah mon Fab, tu l'as fait, bravo. C'est quoi le premier sentiment là, quand tu pleurais? C'est ouf, vous voir là tous, Jules, Steven, là qui sont derrière la caméra, tous mes potes qui étaient derrière qui hurlaient, c'est ouais, j'ai failli chier. J'ai vraiment failli pleurer. Donc, Est-ce que t'as super bien dormi cette nuit? J'ai pas bien dormi du tout. J'ai pas bien dormi du tout. Parce que je savais qu'il fallait finir le travail, c'était pas fini du tout, il restait un septième de chips. Donc tout peut arriver, on l'a vu à plusieurs reprises dans les tournois, ça se renverse, la situation se retourne. Mais j'avais quand même extrêmement confiance parce que je m'étais mis en tête qu'il pouvait doubler. Et je pensais sincèrement avoir un petit stage en tête à tête contre lui. Je l'ai pas trouvé assez agressif en tête à tête, j'ai trouvé qu'il s'est laissé pas mal endormir. Donc je pensais que même s'il arrivait à doubler, je pouvais, en prenant tranquillement mon temps, arriver à le regrinder derrière et finir par l'avoir. Mais bon, c'est mieux comme ça, là j'ai pas eu à faire ce travail là, ça s'est passé en 3 mois. Hier ton premier objectif c'était d'abord d'atteindre l'argent, une fois que tu l'as fait c'était d'atteindre l'étape finale. Est-ce que honnêtement tu t'étais fixé de gagner le bracelet? Bah, honnêtement, depuis 2009, j'ai tendance à répéter. Là, je me suis mis en tête de répéter un peu la recette de 2009 qui était d'aller step by step, vraiment pas à pas. Donc, d'abord, le premier, c'est le passer le D1 qui est très important. Après, c'est atteindre l'argent souvent qui arrive le D2. Et puis après, on vise plus loin, mais pas à pas. Oui, pas penser tout de suite, je veux gagner le tournoi le premier jour, ça marche jamais. Ça fait quoi, 10 ans, 15 ans que t'es sur le circuit, c'est ta première vraie victoire, grande victoire? Non, j'avais gagné des titres internationaux, mais pas des titres majeurs comme celui-là, c'est vrai. Celui-là, c'est une merveille, quoi. C'est la plus belle journée de ma vie de genre de poker, c'est clair. Ces World Series étaient très mal partis, est-ce que finalement ça va pas rester ton plus beau souvenir de World Series? Ah mais c'est évident que ça restera mes plus gros World Series jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir chambrer Bruno Fitoussi, qui lui avait fini deuxième dehors? Je vais pas le chambrer parce que c'est un ami Bruno et que je l'aime beaucoup, qu'il était en plus là pour me soutenir hier soir, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai pensé à lui cette nuit parce qu'il avait fini second. Alors qu'il avait 4 ou 5 to 1, je pense 15 millions contre 3 millions, c'est ça. Donc, et Freddy Dib était remonté. Donc j'ai pensé à lui ce matin, je me suis fait pas comme Bruno. On n'y peut rien, hein. Parfois ça arrive comme ça, il l'a pas fait exprès, j'imagine. Mais j'ai pensé à lui. Et merci pour le soutien, surtout merci pour le support, les gars, parce que c'était vraiment énorme. Merci Fab.